et radio de vie, il est 20h42 minutes heure de Paris. Nous sommes bel et bien de retour sur mes amis TV et radio de vie ici à Paris et merci encore au Seigneur, merci et également aux frères et sœurs des Antilles, de la Guyane qui nous ont beaucoup soutenus, beaucoup encouragés. On dit choix, je pense au bien-aimé de la Martinique d'abord, parce que c'est là qu'on a commencé la tournée. Hein. Donc, Nico, bonsoir. bonsoir. Voilà. Donc, c'est là qu'on a commencé. Donc, d'abord, merci à, un grand merci aux, aux frères et sœurs de la Martinique, à ma maman, maman Marthe et à tous les frères et sœurs qui nous ont encouragés. Donc, merci en tout cas. Merci aussi. Euh, parce qu'après la Martinique, nous avons fait la Guyane aux frères et sœurs de la Guyane qui sont très nombreux aussi là-bas à suivre TV de vie. Et euh, j'ai été aussi, euh, j'étais vraiment encouragé aussi là-bas de voir qu'il y a des frères et sœurs d'origine indienne de l'Amazonie qui étaient là présents et euh, ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, et de réaliser, j'ai réalisé encore que le royaume de Dieu est vraiment grand et, euh, et qu'il y a toutes les nationalités, il y a tout, tous les peuples. Donc c'était vraiment beau. Soyez en tout cas encouragés. Voilà, donc, euh, et, euh, et ensuite, euh, on a été euh, à Saint-Martin, et euh, aussi euh, là-bas, on a été beaucoup encouragé parce qu'il y a un noyau, hein, des frères et sœurs qui sont déterminés à proclamer la vérité. On a été beaucoup, beaucoup fortifié aussi là-bas, donc c'était aussi un temps de repos euh, pour nous à Saint-Martin. Tellement que les frères nous ont accueillis avec euh, un, un cœur large, avec joie. On a été euh, bien encouragés, bien nourris. Et, et que le Seigneur, en tout cas, se souvienne de vous, hein, les frères et sœurs de Saint-Martin. Et euh, croyez-moi, nous avons été encouragés à Saint-Martin. Et euh, donc, on a vu ce noyau fortifié, encouragé et euh, déterminé à défendre la vérité. On a été aussi euh, sur une chaîne de télé là-bas pour partager l'évangile, pour partager la parole du Seigneur et que le Seigneur soit béni. Je pense à mon frère Bino, et ainsi que sa femme et tous les frères et soeurs qui sont avec lui là-bas. Soyez tous bénis, fortifiés à Saint-Martin. On reviendra à Saint-Martin. Ensuite, nous avons terminé, euh, nous avons fait euh, euh, une autre mission en Guadeloupe où nous avons été aussi euh, à surpris de voir l'engouement, hein, ces hommes et ces femmes qui venaient de partout et, pour euh, assister au programme. Et on a été beaucoup encouragés, beaucoup soutenus, beaucoup fortifiés et, euh, de voir des enfants de Dieu en Guadeloupe qui sont prêts pour défendre aussi la Sainte doctrine, pour défendre la vérité. Soyez en tout cas encouragés. Vous tous qui nous avez encouragés donc du côté de la Guadeloupe, vous êtes nombreux hein, donc on pourra pas euh, bien sûr tous euh, citer vos noms. En tout cas vous êtes vous êtes nombreux à nous encourager. Je pense euh, à, à vous tous hein, et, et qui priez également pour pour nous et euh, que le Seigneur se souvienne de vous et, hein, au nom de Yeshua, et euh, pour tout ce que vous avez apporté, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites dans le royaume du Seigneur. Et ensuite nous avons euh, euh, terminé. La mission de nouveau à Martinique hier matin, donc dimanche. Et, euh, et à ma grande surprise aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, hein, alors que cette réunion n'a pas été annoncée, je veux dire, sur les médias. Et euh, les gens se sont mobilisés. Et euh, quelle joie de voir les enfants de Dieu dans toute la Caraïbe debout pour défendre la vérité. Et, et ce que nous demandons à chacun, tout un chacun, c'est justement de travailler dans l'unité euh, au niveau de la Caraïbe afin que l'évangile soit, n'est-ce pas, bien propagé. Donc, si Dieu permet, on va repartir là-bas et. Euh, d'ici quelques mois encore parce qu'il y a vraiment un travail qui se fait et euh, dans la Caraïbe et euh, on, a, on, est, on a hâte de revenir pour euh, encourager encore les frères et sœurs. Il y a beaucoup de jeunes, et beaucoup de baptêmes également. J'ai vu beaucoup de jeunes, hein, donc euh, euh, des frères et sœurs antillais, antillaises qui sont debout, hein, debout, qui sont très, très fidèles au Seigneur, qui sont debout pour défendre la vérité. Soyez tous fortifiés, toute la jeunesse de la Caraïbe. Bon Dieu bénis Voilà, que Dieu soit béni. Au nom de En tout cas, nous sommes bien rentrés. Il y a eu beaucoup de turbulences sur le retour. Je pense que L'ennemi était bien secoué, il a certainement voulu secouer l'avion, mais le Seigneur l'a confondu, on a bien atterri et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Donc, c'était un petit compte rendu sur euh, la mission euh, dans la Caraïbe. Et euh, merci à vous tous qui nous avez soutenus dans la prière. Et euh, voilà, que Dieu soit béni. Et il y a une bonne nouvelle. Et, euh, Nico, qu'as-tu à nous euh, partager alors, la bonne nouvelle, c'est que bah, l'application BJC, uh -huh. tant attendue, est donc euh, peut-être disponible dès maintenant en fait, sur, le, sur le Play Store. Donc, pour ceux qui ont des smartphones Android, l'application est peut-être d'ores et déjà disponible sur le Play Store. Elle vient d'être publiée, donc il y a un petit délai, le temps que ça soit, que ça soit mis en ligne. Uh -huh. Mais en tout cas, l'application est, est disponible et on, bah, on va vous la montrer euh, en direct. Donc, vous allez voir les premières images et vous pourrez la télécharger. Donc, si ce n'est pas disponible dès maintenant, dans la soirée ou demain ou plus tard, normalement, vous pourrez y avoir accès. Donc, c'est une application, bien sûr, qui est gratuite C'est gratuit. Vous pouvez lire la BJC gratuitement dessus. Il n'y a aucun. Voilà. On ne paye rien. Et il n'y a, a, a pas besoin d'une connexion Internet. Voilà. Toute l'application la, fonctionne hors ligne. Donc, la BJC est disponible hors ligne. Vous pouvez la lire hors ligne, Com comparer avec d'autres versions, tout ça hors ligne, en fait. Il n'y a pas besoin de connexion Internet, sauf pour télécharger l'application, bien sûr. Mmh. Et euh, voilà, c'est tout. Il n'y a, a pas de pub dans l'application, il n'y a rien. Donc euh, voilà, tout est, tout est gratuit à ce niveau-là. Ok, on va voir les images alors. Alors donc, l'application est disponible aussi bien sur smartphone que sur tablette. Donc je vous montre rapidement sur smartphone. Donc Vous voyez l'icône BJC qui est située là. Vous lancez dessus. Et voilà, donc vous arrivez là-dessus. Ça fonctionne aussi bien sur, sur, sur tablette. Donc voilà la tablette qui donc, est Donc tablette Android hein, avec euh, voilà. le... Pour l'instant, c'est que Android, l'application Apple est en prêt pour pour les pour iOS est en préparation. D'accord. Et certainement Windows Phone suivra peut-être après, on va essayer de faire le possible pour tout faire. Donc voilà sur l'application comment ça se présente. Vous arrivez là, donc vous avez les différents menus, donc on va commencer par le, le premier, la Bible dans lequel vous avez donc euh... Les, les, les livres qui sont découpés donc, comme dans la BJC, donc, euh, avec le, le Tanakh, les trois parties du Tanakh en premier, Torah, Nevi'im, Ketuvim, pour les écrits du Tanakh. Ensuite, Évangile, qui regroupe les quatre évangiles, et le Testament de Jésus avec toutes les épîtres euh, des apôtres. Donc vous cliquez, vous cliquez dessus, vous choisissez votre livre, Genèse, le chapitre, le verset, et voilà, vous arrivez là. C'est vraiment pratique. Hein. Ouais. C'est simple, c'est intuitif, c'est simple, voilà, ça, va, ça va à l'essentiel il y a des fonctionnalités qui permettent aussi de bah, pour ceux qui ont, qu ont, qu ont, qu ont des problèmes de vue et par bah, éventuellement bah il y a possibilité d'augmenter la taille ou de diminuer donc là en l'occurrence on avait augmenté voilà là, on peut diminuer pour avoir plus de texte à l'affichage on peut augmenter si voilà si c'est trop petit waouh ça c'est pratique aussi hein. voilà il y a aussi il également un mode un mode nuit fait également enfin il le texte peut se basculer en mode paysage également comme ça on peut poser on peut lire c'est plus pratique à lire en paysage c'est magnifique aussi il y a plusieurs fonctionnalités si on veut rechercher un verset donc en bas à gauche vous avez une petite loupe ici là vous pouvez rechercher donc un terme vous pouvez sélectionner le livre dans lequel vous voulez chercher le, le verset par exemple si je vais dans l'évangile tous les livres de l'évangile donc les quatre les quatre livres qui se trouvent dans, dans les évangiles Matthieu Marc luc et Jean je peux en choisir un je peux choisir tous je choisis le mot par exemple Jésus. Je lance ma recherche. Voilà. Et il me donne un total de 738 versets trouvés. Et puis, voilà. je, peux, je peux parcourir tous les versets wow. avec le mot Donc Jésus. Tous les versets barré... où il y a le mot voilà. Jésus. Voilà, qui apparaît okay. en rouge pour, pour voir directement où il est. Voilà, vous pouvez chercher le mot. Et, et c'est en mot... rouge. Hein voilà, le wow. mot, le mot est, est, est mis en évidence en rouge. Wow. Voilà, je peux revenir ensuite. Je vais faire une autre recherche ou sinon. va voilà. revenir. Je peux faire des comparaisons, donc là sur donc dans la partie lecture toujours, j'ai la possibilité de, de comparer la BJC avec d'autres versions si j'ai le choix. Donc là, il y a les versions Martin, Segond, Darby et Osterwald, donc des versions qui sont libres de droits, donc avec lesquelles vous pouvez comparer. Alors, voilà, on revient sur le mode portrait. C'est magnifique. Voilà. Aussi. Donc vous avez en blanc la BJC et en noir, en sur fond noir et écriture blanche, vous avez la Osterwald avec laquelle vous pouvez comparer. Vous pouvez choisir ensuite une autre version si vous le voulez Donc, je vais revenir en mode paysage voilà ensuite bon vous pouvez naviguer hein, voilà jusqu'au bout une fois que vous arrivez au bout du, du, du chapitre vous pouvez passer au chapitre suivant, suivant avec le... voilà, vous voyez okay. le chapitre 22 si je vais le directement suivant 23 etc je peux revenir à, à l'accueil voilà il y a... Normalement, il y a également un mode, euh, un mode nuit qui, a priori, n'est pas présent sur la version tablette que je peux éventuellement vous montrer sur la version smartphone. Juste un instant. Donc là, le premier, ce qu'on a vu, là, c'est la version tablette. Ouais. Ouais. Donc l'application, la, comme je le disais au début, est disponible sur tablette et sur, euh, et sur smartphone. Mm -hmm. Donc voilà, sur smartphone, comment, voilà comment ça se présente. J'ai un mode nuit, donc euh, admettons que je, je suis dans mon lit le soir et je veux lire euh, la BGC sur mon smartphone. Le blanc, ça attaque un peu les yeux, donc je peux, je peux changer les contrastes. Voilà, ça passe sur fond noir, et les écritures blanches, ça abîme moins les yeux. C'est plus pratique à lire la nuit. Et je peux me balader, voilà. je vais dans les Kituim, les quantiques, le chapitre. Et voilà, donc j'ai mon mode nuit qui, 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 qui me va moins m'abîmer les yeux. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici, je vais, je vais peut-être passer en mode jour, je sais pas si ça se voit bien l'écran, sinon, c'est ouais, bon, ça se voit bien l'écran. Vous avez également les notes qui sont disponibles dans, dans l'application. Donc là, vous voyez, il y a par exemple sur le chapitre 2, euh, le verset 2, pardon, il y a un petit A donc, qui signale la note. Comme dans la BJC texte. il me suffit de cliquer dessus. Voilà, et en haut, j'ai des, des menus qui apparaissent. Euh, donc là, j'ai sélectionné le verset. Et euh, j'ai une petite icône qui m'indique que j'ai une note sur ce verset-là. Donc en cliquant dessus, voilà, j'ai la note qui s'affiche. Donc voilà. on peut consulter les notes qui sont sur la BJC en version donc là, les papier les commentaires les okay. commentaires les commentaires les renvois tout ce qui est, tout ce qui est présent en fait sur la sur la BJC papier c'est présent sur la BJC la, donc là c'est ouais. vraiment complet quoi c'est ah, comme voilà. si euh, tout est, est, soit... okay. ouais, voilà. vrai, les frères les frères et sœurs avaient le la bible le papier euh, version papier euh, intégralement voilà je retourne sur un verset pour montrer d'autres fonctionnalités qui sont disponibles également voilà quand je sélectionne un verset donc s'il y, y avait des notes, s'il y avait des commentaires sur le Verset, j'aurais la, la petite icône que je vous ai, ai montrée précédemment. Là, il n'y a pas de notes, donc l'icône n'est pas là. Mais il y a d'autres euh, euh, fonctionnalités. Donc la petite icône qui est là, c'est une icône de partage. Donc je peux partager euh, le Verset, si j'ai euh, l'application Facebook, Google, Twitter, je peux partager l le Verset sur ces applications-là wow. directement, pour voilà, partager avec tous vos contacts, etc. Sinon, par mail. sur toutes les applications que vous avez sur votre, sur votre smartphone. C'est magnifique. Un autre bouton qui permet de sauvegarder, donc juste à côté du partage, qui permet de sauvegarder le verset en cours. Si voilà, le verset m'a touché, je veux le relire plus tard ou voilà, je, veux, je veux le reméditer ce soir en rentrant chez moi, bah, je peux sauvegarder le verset Donc avec le bouton qui est là, que vous, voyez, que vous avez ici, donc qui a sauvegardé. Et ensuite, je vais pouvoir le retrouver en retournant sur le menu principal dans Verset sauvegardé que vous voyez ici. Donc là, vous voyez, le verset que j'ai sauvegardé a bien été sauvegardé ici. Et là, bah, je peux le lire, je peux le supprimer des sauvegardes et je peux, je peux le regarder dans son contexte pour Voir ce qu'il y avait avant, après, euh, pour pouvoir le retrouver. Voilà un peu pour la, la, partie, euh, la partie Bible. Ensuite, vous avez la partie, donc les, les annexes, dans, mm -hmm. dans laquelle vous pouvez retrouver donc, le dictionnaire qui est, qui est dans la BC. Mm -hmm. Donc là, voilà. Donc il y a, il y a le, tout, tout, le quoi. tout le dictionnaire. Tout le dictionnaire nombre... que vous avez dans le BC, vous le retrouvez ici. D'accord. Donc voilà, vous pouvez descendre comme ça, ou sinon vous pouvez aller directement à une lettre sur le côté. Si je vais directement à la lettre T, vais si arriver ici, je consulte la, la définition. Voilà, je peux la partager également. Sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur, avec les applications SMS, mail, etc. Voilà, Est-ce qu'il y a la concordance aussi La concordance, ça n'a pas été intégré vu qu'il y a une fonction de recherche en fait. Là, comme il y a une fonction de recherche, on peut rechercher un mot directement et avoir toutes les occurrences du mot du, ah bah dans toute parfait. la Bible. Sinon, après, voilà, il y a les, les autres annexes Donc euh, l'histoire de la Bible, l'annexe euh, sur l'histoire de, de la Bible, donc, euh, comment la Bible a été écrite, comment les livres ont été regroupés ensemble, quelle est la différence entre les textes majoritaires. Euh, sur mmh. lesquels est, sur, sur est basée la BJC, la Martin, la Osterwald, etc., d'avec euh, les textes minoritaires sur lesquels les autres bibles non corrompues, comme la seconde, la semeur second, la, la et compagnie, sont basées. Donc, mmh. pourquoi il y a des différences entre ces deux Quelle est la différence entre, entre ces deux corpus de textes mmh. Pourquoi il y a des, ces différences Pourquoi on a choisi de suivre... Le texte majoritaire, le, le, le texte dit reçu, mm -hmm. plutôt que le texte minoritaire de, de la plupart des bulles aujourd'hui. Mm -hmm. C'est expliqué donc dans cette, dans cette annexe là. Vous avez une autre annexe sur le nom de, le nom de Dieu, le tétragramme de euh, Y H le tétragramme. Une explication expliqué, voilà. voilà, qui explique pourquoi on a choisi de rendre le truc par par, par mm -hmm. Ensuite voilà, vous avez le menu illustration dans lequel vous retrouvez toutes les cartes qui sont sur la BJC, donc les cartes et les, les tableaux. Donc voilà, vous avez accès au tout, tout un Tout est en couleur. Hein. Voilà, les enfin, cartes les cartes couleurs, sont, voilà, les cartes sont en couleur. Les cartes sont en couleur. Vous pouvez zoomer. Ah ben là, les frères et sœurs, vous êtes vraiment gâtés. Hein. Le Seigneur nous a gâtés, nous tous. Hein. Voilà, les tableaux, par exemple. Mm. Voilà, vous pouvez consulter les tableaux. Et les, les tableaux, et puis l'histoire des conciles, l'histoire voilà. de, euh, du christianisme, tout ça. Sachant que et, euh, ça, c'est euh, cette, cette application que vous avez, frères et sœurs, et, euh, est bien fournie. Hein, et euh, et euh, l'histoire de l'église est bien bien fourni bien développée et euh, donc il y a des informations que vous avez dans cette, cette, cette application que vous ne trouverez pas dans la première version de la BGC donc euh, bah, que le Seigneur soit béni est-ce qu'il y a autre chose encore où, euh euh, bah, les principales, enfin toutes les fonctionnalités ont été montrées, à moins que j'en ai oublié, mais il me semble pas. Et, euh, et donc voilà, bah, l'application la, dispose des derniers textes mis à jour, donc euh, des BJC qu'on va recevoir, donc les, la nouvelle version quoi. D'accord. Et euh, frères et sœurs, pour euh, avoir cette application, bien sûr, il faut, si vous avez un, 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 un ordinateur, enfin un, une euh, tablette ou un téléphone portable, il faut qu'il y ait le, comment dire. Euh, il faut que ce soit sur euh, sous Android. Hein. Android. Ouais. Voilà. Donc, euh, il faut que le, le système d'exploitation de, soit Android. Et euh, voilà. Sinon, ce ben, ne sera pas possible. Donc, il faudrait attendre quelques jours pour, pour l'avoir sur euh, Apple. Euh, les frères sont en train de travailler sur Sur euh, le Mac. Ouais, euh... voilà. ouais. Les frères travaillent dessus. Okay. Donc, euh, que vous, si vous voulez nous appeler, je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur euh, cette application, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment la partager. Elle est gratuite. Et euh, donc. Il y en a qui se posent des questions. Comment faire pour la pour la télécharger, pour la voir Il faut aller sur quoi exactement Il faut Alors, parce qu'ils n'ont ont peut-être pas bien compris. D'ici quelques temps, euh, donc euh, si c'est toujours pas disponible maintenant, d'ici quelques heures, d'ici quelques heures ou quelques minutes, euh, ça sera disponible donc sur le Play Store Android. Mm -hmm. Donc euh, en recherchant dans les applications euh, voilà, sur, sur votre téléphone. Sinon, il y a une page qui va être mise en place aussi sur TV de Vie. Où il y aura le lien directement pour trouver l'application sans avoir à chercher. Mmh. Pour ceux qui, ont pas, euh, qui sont sur Android mais qui n'ont pas accès aux applications Google, euh, le fichier sera mis en téléchargement aussi sur, directement sur le site et sur un autre, euh, un autre euh, store Android avec des applications libres qui s'appelle F-Droid pour ceux qui l'ont. Ils pourront le trouver également là-dessus. Ça va être fait donc, dans, dans les jours qui viennent normalement. Donc voilà, ça sera sur le donc sur le sur le Play Store. Là où vous installez toutes vos applications, vous pourrez trouver, vous pourrez trouver la BJC parmi toutes les applications que vous installez comme d'habitude. Vous pourrez la trouver également sur un, sur un, un store alternatif qui s'appelle F Droid, pour ceux qui connaissent et qui l'ont, d'ici quelques jours ou semaines en fonction du temps que ça va prendre. Et sinon, ça sera disponible sur le site euh, TV de vie et le site de la BJC, il y a des pages qui vont être mises en place. Il y aura un menu qui, qui sera là, vous pourrez télécharger. Euh, il y aura un slide sur TV2V qui indiquera où vous pourrez télécharger également les fichiers. Donc, vous aurez tout, euh, tous les moyens pour, te, pour pouvoir le télécharger. En tout cas, frères et sœurs, cette application, vous pouvez vraiment la partager autour de vous parce que on a travaillé dur hein, pour euh, euh, approfondir encore les textes. Et, hein, donc, c'est vraiment un travail euh, de fond, un grand travail qui a été mené, qui a été fait. Et euh, vous pouvez vraiment vous servir de cette application et, euh, pour euh, de cette Bible, hein, donc sous euh, euh, comment dire euh, cette application, pour pouvoir bah, proclamer l'Évangile, prêcher l'Évangile euh, véritable au nom de Yeshua. Donc nous avons quelqu'un en ligne qui a certainement des questions à poser. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. bonsoir d'accord des États-Unis. Amen que Dieu soit béni. On sera aux États-Unis euh, au mois de juin. On sera aux États-Unis euh, au, États au, États États au mois de juin. À partir du 3 juin, du 3 juin, nous allons à commencer une euh, -ce pas, tournée euh, et euh, au Canada et aux États-Unis. Okay, okay. D'accord. Je pense qu'on va se voir et, et toutes les informations seront d'ici quelques semaines sur... Oui. Voilà. Sont, sont déjà sur TV de vie. Voilà. Oui. Sinon, on, on, on. Que Dieu soit béni, frère. Et... Avec joie, avec joie, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous un mail et sinon, euh, et, euh, et, euh, ben, donnez vos coordonnées euh, à, à tout à l'heure. Ne, 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 ne raccrochez pas et puis on va vous contacter, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, frères et sœurs, voyez le travail que le Seigneur fait. Hein, donc Dieu travaille et euh, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas de temps à perdre. Cette année, on vous avait annoncé que nous ne voulons pas nous distraire. Nous voulons nous focaliser sur le, sur le travail. Le Seigneur revient. Le Seigneur travaille. Et euh, voilà, cette application, comme je le disais, frères et sœurs, a été créée par euh, des frères, hein, donc, euh, par des chrétiens, des frères qui sont avec nous. Et euh, deux frères, notamment. Hein, donc, euh, et que nous voulons plusieurs. Donc, Ils sont combien à travailler dessus euh, On va travailler dessus. Donc, sur l'application elle-même, c'est deux frères qu'on tra qu travaille. Il n'y a que ces deux frères-là qu'on travaille sur le développement de l'application. Et après, bah, sinon, c'est toute l'équipe BJC BGC, qui BGC, qu a ouais. travaillé sur, le, sur les textes, la mise en page. Et, D'accord. Etc. Après, il voilà, y, y a aussi un autre frère qui a travaillé sur les, les graphismes, etc., qui a travaillé aussi là-dessus. Mais sinon, le développement, c'est les deux frères. En tout cas, c'est des enfants des c'est des chrétiens. Qui partagent le message que le Seigneur nous a confié, le retour à la parole, l'évangile pur, et le message que Dieu vous a donné également à vous qui nous suivez. Et, euh, et ils ont tout un groupe, hein, donc des gens déterminés à défendre la vérité. Et ils se sont dit voilà, l'opportunité nous est donnée, hein, avec cette révision, de pouvoir euh, créer une application qui va être euh, sur. Euh, euh, voilà, le mar sur euh, Internet, et afin que les enfants de Dieu dans le monde entier puissent y accéder. Parce que tout le monde ne pourra malheureusement pas tout, tout de suite avoir la version papier de la Bible, alors la version électronique, n'est-ce pas, est disponible de suite. Donc, euh, d'ici quelques. Euh, peut-être une heure, je ne sais pas, vous allez pouvoir euh, aller sur TV de Vie et télécharger. Je ne sais pas le lien là sur TV de Vie, vous allez le mettre quand euh Dès que l'application est publiée, ça sera en mode en ligne sur, sur le Play Store, on mettra le lien directement. Sinon, bah, ce, ce qui peut être fait pour les impatients, on va, on va rajouter directement le fichier. Euh, les impatients, entre guillemets, ce pas péjoratif. On va rajouter le fichier euh, à, à télécharger sur TV2V dans l'espace de téléchargement. Donc, vous retrouverez dans, dans, sur, le, sur le menu ressources et le, le bouton téléchargement, vous pourrez retrouver l'application pour ceux qui veulent la télécharger. La, le, la probl... enfin, le... il y a une petite manipulation à faire pour ceux qui veulent télécharger l'application directement, qui voudront donc, télécharger l'application directement depuis TV de vie. Il faudra autoriser dans les paramètres du smartphone l'installation depuis des sources inconnues, entre guillemets. C'est-à-dire c'est une application qui ne vient pas du store directement Android, donc qui n'est pas euh, contrôlée par Google. C'est une application qui vient voilà, téléchargée d'Internet. Il faudra autoriser ça pour pouvoir installer l'application que vous téléchargerez directement sur TV de vie juste après l'émission. Mais sinon, okay. après, vous pourrez télécharger de manière régulière... Euh, Normal euh, sur, le, sur le store dès que ce sera en ligne et tous les liens seront mis en ligne directement sur TV2V et sur euh, Bible de christ Est-ce qu'on peut revoir encore la, le, le, comment dire, le logo de cette application Parce que elle est, le logo est très bien fait. Hein, c'est ouais. vraiment du. Euh, là, c'est le travail d'expert. C'est vraiment. Euh, voilà. C'est beau. Donc, que Dieu soit béni. Quand je lance. Voilà, je... Donc là, a, ce sont les applications normales hein, de ton, ta tablette et parmi ces applications, il y a l'application de la BGC que vous voyez. Alors, et, donc, je la ferme complètement. Pour voir bien. Est-ce qu'on peut, gra on peut l agrandir l'application bon, C'est possible donc, ou pas euh, Je vais faire de mon smartphone mm. vu que le, la caméra n'est pas très bien positionnée. Ok. Parce que là, c'est... Euh, voilà, donc vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Si vous êtes euh, encouragé par ce travail, voilà la BGC qui est là, l'application. Et euh, donc vous avez là, le premier bouton, c'est la Bible, bien sûr. Et euh, donc comme on a montré, ensuite il y a... Euh, la division qu'on a, la division par rapport au livre hein, qu'on a mis en place. Et, euh, et euh, voilà, donc tout est là, magnifique. Et c'est simple hein, et pratique. Voilà, ça demande pas une connaissance, une grande connaissance. Hein, donc euh, de, euh, comment dire, euh, du net, tout ça. Ou de, et, euh, voilà, sur le plan technologique, tout ça. Et, euh, voilà, et là, vous avez... Euh, il ah, y a tout ça là, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, Donc, toi, euh... tous, les, tous les tableaux qui se retrouvent dans la BGC qui sont, qui sont vraiment intéressants. Euh... Eh bien, les, les frères et sœurs, nous allons vraiment nous régaler parce que là, c'est vraiment magnifique. Et c'est un travail pareil, un tel travail, et c'est gratuit, mes amis. Ouais, nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. voilà. Donc là, en plus de ça, vous avez, j'ai vu un tableau, Nico, c'est le, le tableau de l'alphabet hébraïque. Ouais. Et nous avons rajouté un deuxième tableau, c'est le tableau de l'alphabet grec, qu'on ne trouvait pas, qu'on ne trouve pas dans la première BJC. Là, et euh, voilà on peut agrandir aussi donc parfait bon. et ben voilà vous êtes vraiment gâtés mes amis mes frères et sœurs il et euh, y a voilà à côté mais a, là c'est le tableau grec hein, donc euh, l'alphabet grec voilà qu'on n'a pas dans la première BGC voilà donc le travail avance et on veut vraiment n'est-ce hein, pas euh, défendre la parole et euh, on se bat donc voyez bien mes amis que vos prières sont exaucées le Seigneur travaille, vous priez pour nous, vous priez, on prie les uns pour les autres et Dieu fait avancer son, son œuvre. Voilà. Donc, je ne sais pas, l'équipe technique, s'il y a quelqu'un en ligne, il n'y a personne. Alors, que le Seigneur soit béni, mes amis. Le 30, nous avons une euh, euh, nuit de prière. Et euh, si tout va bien, nous allons pendant cette nuit distribuer la nouvelle BGC. Et euh, la BGC de 2004, 2015, il y a 10 000 exemplaires qui seront livrés d'ici quelques jours. Et ensuite, euh, le 2. Mais nous avons euh, une conférence à Bonn, à, en Allemagne. Et euh, voilà, donc euh, les frères et sœurs sont aussi mobilisés. Et euh, ce dimanche, ce, va, ce dimanche, nous sommes à Bruxelles, logiquement. Ce dimanche, nous sommes à Bruxelles. Que le Seigneur soit béni. Donc euh, voilà, il n'y a pas un mot de, de la fin ou ça va, Nico. Ça va aller. Tout est ok, parfait. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alors nous vous disons bon, bonne continuation, bon courage. Et il euh, y a un passage dans, deux, dans 1 Timothée chapitre 4, voilà, n'est-ce hein, pas? Paul dit à Timothée, on va le prendre, euh, Nicolas, si c'est possible, et euh, je crois que c'est le verset 16. Voilà, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et sur la doctrine. Et euh, voilà, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà, nous voulons vraiment veiller pour pouvoir défendre correctement la parole du Seigneur. Prions, prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Et encore merci pour vos prières, vos suggestions, vos, vos soutiens. Que Dieu vous garde. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen.